Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors désolé, vous me voyez un peu en jaune là, je sais pas, j'arrive pas à régler. Bon, ça fait rien, le principal c'est que vous arrivez à me voir. Alors aujourd'hui un petit haul Amazon, voilà, c'est sur le coloriage. Voilà, je vous en avais parlé déjà sur une précédente vidéo. Et donc j'ai reçu aujourd'hui une partie, enfin une grosse partie, il me manque un article. Voilà. Alors, j'ai reçu l'article qui me manquait l'autre jour. Voilà, donc le stylo blanc dont je vous parlais. Donc je vous ferai une vidéo avec ce que je vais en faire. Voilà. Fifi qui vient vous dire bonjour, hein, bien sûr. Hein, viens dire bonjour. Donc je vous rappelle ce stylo blanc, donc c'est de l'encre, ça permet de refaire par exemple des petites mèches dans les cheveux, faire les petits points dans les yeux, voilà des petites choses comme ça dans le coloriage. Et ça, alors attendez, j'ai pris mon ordi à côté de moi, comme ça je l'ai pris tout de suite. Alors ça, c'était 3,63 €. Voilà. Et de toute façon, je vais vous remettre en barre d'infos tous les liens nécessaires de ce que je vais vous montrer si vous voulez les retrouver. Alors, je retourne en arrière. Ensuite, voilà, un petit cahier de nuancier. Voilà. Alors, je dis petit parce que vous voyez, il n'est pas très grand. Je pensais qu'il allait être plus grand, mais bon. C'est pas très important. Alors ça va me permettre de faire des nuanciers. Alors je vais m'en racheter un autre pour faire les nuanciers de mes crayons, de mes feutres, tout ça. Mais celui-là va me permettre de faire le nuancier pour garder mes combos pour les cheveux que je vais faire pour par exemple les cheveux blonds, les cheveux roux, les cheveux au beurre, les cheveux bruns. Comme ça, je sais quelle couleur je vais utiliser pour ne pas oublier, même pour les yeux par exemple, pour les visages, etc. Alors, je vous montre. Donc, c'est le Art Therapy, mon nuancier à compléter. Donc, c'est de chez Hachette Hero. Donc, alors. Là, c'est les premières pages qui montrent l'exemple. Voilà. Et après, toutes les pages sont pareilles. Hein. Donc, vous avez aussi un cercle chromatique. Donc ça, c'est très intéressant pour savoir les couleurs, lesquelles vont avec quelle couleur va avec quelle couleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en exemple? Non, c'est tout. Alors, après, vous avez une page pour faire votre sommaire. Et ici, donc, on démarre pour faire votre nuancier. Donc, après, toutes les pages sont pareilles. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Ici, en haut, je vais par exemple marquer peau. Par exemple pour une japonaise, exemple, hein. Et je vais marquer, je vais mettre au crayon tous les crayons que j'ai utilisés et toutes les références. Voilà, à côté c'est pareil, mais là c'est avec des ronds. Voilà, vous voyez, donc pour les cheveux par exemple, je vais faire pareil. Dans chaque rond, je vais mettre un peu de crayon pour reconnaître la couleur, et à côté, je marquerai la référence. Du crayon que j'aurais utilisé. Voilà. Donc là, je peux faire beaucoup. Hein. J'ai en tout. Alors, je vais vous dire ça. J'ai 73 pages. Et. Ah ben, je n'avais pas vu, tiens. À la fin. Non, j'ai plus que 73 pages. J'ai 73 pages. Et à la fin, j'ai aussi. La possibilité de faire les références couleurs par personnage, voyez, voilà, donc c'est exactement pareil, sauf que là par exemple je peux coller une image, voyez,
Donc c'est marqué, collé ici, une impression du personnage pour référence. Voilà. Par exemple, si je veux faire je reviens sur ma japonaise, une photo japonaise. Bon, ben là, ici, ça va être tout ce qui va être pour faire une japonaise. Ben, je connais une petite photo japonaise et je sais que là, c'est pour faire une japonaise. Voilà. Et donc là, donc j'étais à 73. Et à la fin, j'arrive 95 en tout. Il y a 95 pages en tout. Donc j'ai quoi faire. Mais je vais m'acheter un autre nuancier. Donc là, ce sera un plus grand. J'ai déjà commandé, mais c'est parce que je n'ai pas encore reçu. Mais là, ce sera vraiment pour me faire le nuancier de tous mes crayons, de tous mes feutres, etc., de mes aquarelles. Voilà. Alors, ça, je l'ai payé. Il est où? Il est où? Il est où? 9,95 €. Voilà. Pareil, je vous mets le lien. Alors, Fifi. Ensuite. Alors, j'ai déjà déballé un peu, mais je vous montre comment c'est quand on le reçoit. Voilà. Vous allez vous demander ce que c'est. Alors, c'est une gomme électrique. Oui. Alors, d'abord, on a une boîte avec toutes les petites réserves de gomme. Voilà. Ici, on a encore des réserves de gomme, donc des fines, des plus épaisses. Voilà, donc ici, dans la boîte, pareil, hein, il y a des fines et des épaisses. Je cherche le... Voilà. Et donc, voilà la gomme. Donc, c'est comme un stylo. On met deux piles, donc les toutes petites, hein, c'est les AAA. Donc, j'ai dû regarder parce que là, il est marqué les piles numéro 7, mais c'est écrit en anglais et en chinois. Donc, pile numéro 7, ça doit être sûrement une référence chinoise ou une référence anglaise, je ne sais pas. Donc, mais pour nous, ce sont des piles AAA. Et donc, quand on veut gommer, voilà. Alors, je ne vais pas parler. Voilà, donc on a juste... Oui. On a juste à gommer, ça brûle hein, sur la main, voilà. Et ça, vous pouvez gommer donc sur vos coloriages, si vous avez débordé, si vous vous êtes trompé, ça gomme beaucoup mieux qu'une gomme manuelle, une petite gomme qu'on a dans notre trousse. Voilà, pour les coloriages, ça c'est nickel. Voilà. Donc celle-là, alors je ne voulais pas... celle-là, la base, mais il y a celle que je voulais. Alors, je vais d'abord vous dire le prix de celle-là. Fifi, s'il te plaît, descends. Allez. Hop. Alors, celle-ci, c'est une Gudoki et elle fait 18,99 €. Donc, en tout, vous avez 92 recharges de gomme. Donc, il y a de quoi faire, hein. Mais à la base, je voulais, alors je vais la rechercher pour vous donner son nom. Trick, voilà. Alors, c'est pas ça. Voilà, c'était la Derwin que je voulais, mais elle est en rupture de stock. Donc, j'ai pas pu prendre celle-là. Mais bon, celle-là est équivalente. Hein. J'ai regardé les avis des clients et il n'y avait que des bons avis. Donc voilà, je me suis dit, bon, bah, je prends celle-là. Voilà. La Derwin était un petit peu moins chère, mais bon. Donc, je ferai des essais sur mes coloriages, vous le verrez, puis voilà. Donc, ça, je viens de vous dire le prix. J'ai oublié. Donc, 18,99 €. Voilà. Alors, ensuite, un superbe livre de coloriage. Alors, il est magnifique. Voilà. Alors, c'est une couverture cartonnée, là, avec une reliure en tissu.
Et alors, je vais aller sur son directement sur la fiche. Voilà, alors attendez, je vais sur sa fiche. Voilà, donc c'est d'une dessinatrice néerlandaise, c'est Maria Troll, voilà, c'est une illustratrice, voilà. De toute façon, là, il n'est pas écrit en français hein, dessus, bon, de toute façon, les dessins, il n'y a pas d'écriture, mais je veux dire, quand vous regardez là et derrière, c'est pas écrit en français, mais on s'en fiche. Ce qui intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais elle fait de magnifiques livres. Il y en a d'autres. Et alors, je vais essayer de vous les montrer. Alors, je vais peut-être me mettre debout. Ça ira mieux pour moi de vous les montrer. Voilà. Alors, le papier est très épais. Alors, ça va être superbe, même pour faire de l'aquarelle. Les dessins sont vraiment très très beaux. Là, ici, celui-là est magnifique. Voilà. C'est vraiment très beau, hein. Je crois que je vais me régaler à les faire. Et... Là encore sur une page noire. Voilà. Alors, il y a encore quelques pages. Il y a beaucoup de dessins dedans. Je ne sais plus, je vais vous dire après. Je crois que j'ai passé une page. Non, si, oui, voilà. Cela est très joli. Allez, je vais changer de main. Allez. Un petit mignon. Oh, je ne suis plus très beaucoup dans le champ. Voilà. Donc en tout, on a alors, combien de dessins? Je ne sais pas. Alors page 2. Est-ce qu'il y a, ils mettent le nom de chaque dessin. Alors qu'est-ce qu'ils disent là? Il y a 84 pages.
Ouais, donc c'est ça, c'est il y a à peu près 80 dessins. 80 dessins à faire à peu près, peut-être un peu plus. Donc voilà. Il est vraiment très très beau. Magnifique. Alors, ce livre, il est au prix de 16,99 €. Bon, c'est peut-être un peu cher, mais le livre est magnifique. Ça, c'est un livre vraiment à garder dans sa bibliothèque de coloriage. Et là, bon, on va pas s'amuser par contre à déchirer les pages pour les colorier, parce que ce serait un sacrilège. Donc voilà. J'ai aussi fait des petits achats pour Chouchou. Je vais vous les montrer. Donc c'est pareil, c'est pour le coloriage. Je les prends tout de suite, je vous les montre. Alors, comme je disais, j'ai fait des petits achats aussi pour Chouchou, donc mon mari, pour ceux qui ne savent pas, puisque lui aussi fait du coloriage. Je lui ai pris, voilà, la boîte de Stabilo Pen 68. Voilà, c'est une boîte de 40. Alors, bon, voilà, il y a un premier rack. Je vais vous montrer le deuxième. Oups, je vais tomber les stylos. Si je fais tomber ces feutres. Alors attendez, je les remets. Voilà. Et un deuxième ici. Voilà. On va les remettre. Puis le faire tomber. Voilà. Donc c'est des feutres avec des pointes enfin pas trop fines ni épaisses. Voilà. Qui vont super bien pour faire les coloriages mystères. Lui, c'est ce qu'il fait. Alors, cette boîte de Stabilo, alors avec 40 feutres, elle est à 44,86 €. Voilà. Mais bon, c'est du Stabilo, hein, donc c'est... Voilà. Pardon. Ensuite, je lui ai pris... Alors, donc deux coloriages mystères. Alors, c'est les grands classiques de Disney. Alors, je lui ai pris celui-là. Voilà. Donc, ça, je crois que c'est le tome 1. Voilà, donc c'est ça, les coloriages mystères. Alors, vous voyez. Et donc, les motifs, je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, donc c'est du Disney, bien sûr. Et le deuxième, donc là c'est le tome 2, celui-ci, donc c'est toujours coloriage mystère, donc c'est le grand classique. Alors, je vais vous montrer pareil quelques dessins. Il y a des Mickey, il y a des princesses, bon, il y a un peu de tout. Donc, voilà. Donc, il a de quoi faire. Il y a dans chacun, je crois, il y a une centaine de coloriages dans chaque. Donc là, il a de quoi faire pour un moment.
Alors, ces livres, alors celui-là, je pense qu'ils sont tous les deux au même prix, mais celui-là était à 12,90 €. Et le deuxième, il est où? J'ai perdu. ah, il est là. Ah oui. Chut. Et le deuxième, pareil, 12,90 € aussi pour celui-là. Donc voilà, mes petits achats donc de coloriage pour moi et Chouchou pour aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui. Là, on est tranquille pour un moment. là, il me manque plus que des feutres noirs pour moi. Et, ah oui, je lui ai pris aussi, mais je ne sais pas où les arranger, des feutres noirs. Donc là, j'en ai pris un paquet, ils sont tous noirs, c'est des feutres noirs, c'est un paquet de 10. Et c'est pour justement les coloriages mystères, pour pouvoir faire tous les entourages de ces coloriages. Là, il fallait quelque chose d'un peu plus épais. Et donc, j'ai pris une boîte de 10, comme ça, moi, oui, tranquille. Et ça, la boîte de 10, c'était... Je vous mettrai le lien. C'était. Allez. Non, ça, c'est les miens. Ah, voilà. Lui, c'était. Alors, c'était des Stabilo. C'est des Stabilo Pointe Max. 10,50 € pour une boîte de 10. Voilà. Mais je vous mettrai le lien également. Mais là, je ne sais pas où il les a rangés. Donc, je ne peux pas vous les montrer. Donc voilà, c'était mon petit haul Amazon pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. S'il y a des choses qui vous plaisent, ben, n'hésitez pas à les cliquer sur les liens que j'aurai mis en barre d'infos. Vous pourrez les retrouver directement hein, sur la boutique. Si vous avez des questions par rapport à mes achats, ben, n'hésitez pas non plus. Et puis, ben voilà. Bon, donc d'ici une semaine, 15 jours, je vous ferai peut-être une vidéo. Parce que. Oh, là, ils sont en train de tout me démonter. Parce que là, j'ai déjà un peu bougé les meubles. Mais je vais remettre un meuble pour moi ici en bas, surtout pour le coloriage. Et le moment que ce sera fait, puis que j'aurai tout installé, ben, je vous ferai certainement une vidéo pour vous montrer comment je me suis installé mon petit coin. Le moment venu, quand ce sera fait. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et maintenant, je vous laisse. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.